faut se rappeler que Titien est un des plus grands peintres de nus féminins de la Renaissance vénitienne, et que ce sera un de ses titres de gloire. Non. La belle indifférence dresse deux petits catalogues. Le premier catalogue présente des nus, majoritairement de femmes, trouvés dans la peinture occidentale entre le XVIe et le XIXe siècle. Je sentais qu'il en freignait quelque chose, en tout cas. Le deuxième catalogue expose des voix. D'un côté, des récits d'histoire de l'art, faits par un homme. De l'autre côté, des récits de travail sexuel, faits par des femmes. Les deux catalogues se chevauchent et dans leur entrelacs produisent des points de contraction. Et de l'autre, formaient une espèce de récipient pour le sperme. D'autres encore ne formaient pas de récipient. Ce sont ces points de contraction que montre la belle indifférence.